Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du journal. Ce soir sur notre plateau, nous recevons comme invité du journal Monsieur le ministre de la Défense nationale et de la Sécurité, Mahamat Abali Salah. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Nous nous entretiendrons ce soir avec vous sur des sujets, plusieurs sujets d'ailleurs, touchant à votre département notamment, l'état d'urgence et également la police nationale. Mais bien avant de revenir à vous, parlons de l'actualité. Avec cette triste nouvelle, l'ancien président du Tchad et président fondateur du parti RDP, Lol Mahamat Choua, est décédé à N'Djamena de suite de maladie au domicile familial. L'air est à la consternation. Adef Ahmad Benrama y était. Le Tchad vient de perdre un grand commis de l'État ayant marqué l'histoire politique du pays. Lol Mahamat Choua, ancien président du Tchad et président fondateur du RDP, est décédé ce dimanche 15 septembre en N'Djamena des suites d'une longue maladie. Au domicile de l'illustre disparu, 6 au quartier Klepmat, parents, amis et connaissances, familles politiques, personnalités administratives et politiques sont consternés. Un silence des morts plane. L'instant est entremêlé d'émotions et de consternations. L'homme qui vient de tirer sa révérence à l'âge de 80 ans fut président du Tchad le 29 avril au 25 août 1979. Né le 15 juin 1939 à Mao au Kanem, Lol Mahamat Choua commença ses études primaires dans cette ville natale et secondaires au lycée Félix Éboué afin de s'envoler pour la France d'où il poursuiva ses études supérieures à l'Institut international d'administration publique et à l'Institut d'études des relations internationales de Paris respectivement de 1971 à 1973 et de 1979 à 82. Outre les fonctions du président du gouvernement d'Union nationale, Lol Mahamat Choua occupa le poste de ministre des Transports de 1982 à 1983 et du maire de la ville de N'Djamena. Avec l'avènement de la démocratie, l'homme politique créa le Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP, l'un des tout premiers partis politiques. Un parti dont il fut président des années durant avant d'être désigné président d'honneur. L'homme d'État a assumé également les fonctions du président du Conseil supérieur de la transition de 1993 à 1994, député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire RDP et bien d'autres importantes charges. Le natif de Mao est marié et père de 10 enfants. Le président actuel du RDP, Mahamat Alaou Tayar, se dit très touché par ce décès, par le décès de son mentor. Il donne ici un témoignage sur les qualités du défunt. Suivez. Nous sommes aujourd'hui réunis ici au domicile familial du président Lol Mahamat Choua, dans une très grande tristesse. Nous sommes consternés. La grande famille, les amis politiques, les militants, militantes, les responsables de ce pays. Nous sommes concernés, bouleversés profondément par la disparition de ce grand homme. Comme on dit en Afrique, c'est un baobab qui vient de tomber, une fois de plus. Et il s'agit d'un très grand baobab sous lequel s'abritaient beaucoup de gens, beaucoup de Tchadiens et de Tchadiennes. Le président Lol que nous venons de perdre ce matin même, de suite d'une très longue maladie, était l'un des hommes politiques qui ont marqué l'histoire de ce pays. Qui ont marqué l'histoire politique de ce pays. C'était un homme d'État exceptionnel, ce que tout le monde sait.
un nationaliste intransigeant, un démocrate, un homme de dialogue et de grande tempérance. Il était attaché à l'unité du Tchad. Le président Lol a été une figure emblématique du processus démocratique tchadien, notamment depuis 1990. Il était un rassembleur au sein de la classe politique. Je dirais même l'un des pivots de la vie politique nationale. Beaucoup d'entre vous se rappellent qu'il fut président du comité de suivi des accords politiques du 13 août 2007. Nous adressons nos condoléances à tous ces militants et militantes, ceux qui l'ont aimé, de ceux qui l'ont accompagné pendant toutes ces années et qui l'a formé. Nous sommes tous ses enfants politiques, ses enfants spirituels. Et ce que nous devons au président Lol, c'est de poursuivre son œuvre et de prendre son exemple d'intégrité politique, de prendre l'exemple de courage politique qu'il a donné à la classe politique. Et puis la teneur de ce communiqué de presse émanant de la Direction générale de la communication de la présidence de la République. C'est avec une profonde tristesse que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Idriss Déby Itno, a appris le décès survenu ce dimanche 15 septembre 2019 de l'ancien président Lol Mahamat Choua. Le chef de l'État rend hommage à ce patriote hors pair qui a servi le Tchad en toute humilité. Avec la disparition de l'ancien président Lol Mahamat Choua, le Tchad perd un fils de valeur et un homme de conviction et d'action. En ces douloureuses circonstances, le chef de l'État, au nom du gouvernement et du peuple tchadien tout entier, exprime ses plus sincères condoléances à la famille du défunt, à ses amis et collègues députés. Khala Kala, le Tout-Puissant, dans sa grâce éternelle, accueille l'âme de l'illustre disparu dans son vaste royaume, signé du directeur général de la communauté. Communication, Abdoulaye Gardigna. Et puis ce décret numéro 1534, porte institution de 3 jours de deuil national. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, décrète article 1er. Il est institué 3 jours de deuil national en la mémoire de Lol Mahamat Choua, ancien président de la République, décédé le dimanche 15 septembre 2019 à N'Djamena. Article 2, les journées de deuil commence le lundi 16 septembre 2019 à 0h et prennent le mercredi 18 septembre 2019 à 0h. Elles sont observées sur l'ensemble du territoire national. Article 3, durant cette période, les drapeaux sont mis en berne et toutes les activités à caractère festif sont interdites. Seules les musiques religieuses et les prières sont autorisées dans les médias et les lieux de culte. Article 4, le gouvernement définira les modalités d'organisation des obsèques. Article 5, le président décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 15 septembre 2019, Idriss Déby Itno. Et justement, voilà là le programme officiel des obsèques de M. Lol Mahamat Choua, ancien président du Tchad, décédé ce jour 15 septembre 2019 à N'Djamena. Des obsèques qui se dérouleront à la place de la nation le lundi 16 septembre, conformément au programme ci-après. 6h30, mise en place terminée. 7h, arrivée des invités, des amis et des membres de la famille du défunt. 7h15, arrivée des corps constitués dans l'ordre ci-après. Les leaders religieux, les maires d'arrondissement, le sultan de N'Djamena, le maire de la ville de N'Djamena, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, les officiers supérieurs et généraux de l'armée nationale tchadienne, les ambassadeurs dignitaires du Tchad et les membres du RDP.
7h30, arrivée des membres du cabinet civil et militaire du président de la République, des députés, des chefs de missions diplomatiques et représentants des organisations internationales et des membres du gouvernement. 7h45, arrivée des présidents des grandes institutions de la République. 8h, arrivée de Monsieur le président de l'Assemblée nationale. 8h15, arrivée du chef d'état-major général des armées. Puis l'arrivée de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Enfin, l'arrivée de la dépouille mortelle à 8h30, début de la cérémonie qui se déroulera comme suit. Dépôt de gerbes, de fleurs, mots de remerciement de la famille du défunt, témoignage d'un membre de son parti, oraison funèbre par le président de l'Assemblée nationale, décoration à titre posthume, prière aux morts dirigée par l'imam de la grande mosquée de N'Djamena. 9h, fin de la cérémonie et départ pour le cimetière de Lamadji. 9h30, arrivée au cimetière et inhumation. Ce programme est signé de la direction générale du protocole de la présidence. Et dans des communiqués officiels, des membres du gouvernement et autres personnalités ont tenu à présenter leurs condoléances suite au décès de l'honorable député Lol Mahamat Choua. C'est avec beaucoup de peine, de tristesse et d'émotion que je porte à la connaissance de mesdames et messieurs les députés du peuple tchadien dans son ensemble le décès de l'honorable député Lol Mahamat Choua, ancien président du Conseil de la Transition et ancien président de la République du Tchad. Décès survenu le dimanche 15 septembre à N'Djamena de suite de maladie. Président du groupe parlementaire RDP, l'honorable député Lol Mahamat Choua est élu dans la circonscription électorale de Mao, province du Kanem. En cette circonstance particulièrement douloureuse, au nom de mesdames et messieurs les députés et en mon nom propre, j'adresse à son Excellence Monsieur le Président de la République, le Président de la République, chef du gouvernement, au président du parti RDP et au groupe parlementaire RDP, à sa famille politique, aux parents et amis éplorés, mes condoléances les plus attristées. Ce communiqué officiel est signé du président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi. C'est avec une grande tristesse et une profonde amertume également que le mouvement patriotique du salut vient d'apprendre la disparition du président Lol Mahamat Choua. Le Tchad perd en lui un grand homme de valeur, un patriote émérite, un homme affable, charismatique et surtout loyal. Sa bonté et son grand cœur lui ont valu l'estime et l'amour de tous les Tchadiens. À travers sa disparition, le MPS perd en lui un allié fidèle qui n'a jamais trahi ses engagements politiques avec le mouvement patriotique du salut. Les condoléances du MPS s'adressent également aux militants du RDP et à l'ensemble de la classe politique tchadienne. Ce communiqué est signé du secrétaire général, deuxième adjoint du mouvement patriotique du salut, Aziz Mahamat Saleh. Et puis la Nuit africaine édition 2019 a été commémorée hier au palais du 15 janvier. Elle est à mettre à l'actif du CONAF, Conseil national des femmes leaders du Tchad. La première dame Hinda Déby Itno, les membres du gouvernement, des corps diplomatiques et représentants des grandes institutions accréditées au Tchad ont pris part à cette rencontre. Un reportage signé Apolline Gani. Toutes mobilisées pour une seule cause, la scolarisation des filles. La préoccupation est au cœur de cette soirée qui porte la marque du Conseil national des femmes leaders du Tchad. Se sont joints à celle-ci des partenaires concernés par la question de la jeune fille et de sa scolarisation. Pour relever ces défis de taille, le Conseil national des femmes leaders du Tchad et ses partenaires sont sur la bonne voie pour sauver la scolarisation des filles. La stratégie développée semble être sur la bonne voie. Déjà, un numéro vert est ouvert. Il suffit d'appeler sur le 90 00 05 90 pour apporter sa part de contribution à la scolarisation des filles. Le CONAF, fidèle à ses engagements, a décidé d'apporter sa contribution en soutenant la stratégie du gouvernement et affiche clairement sa volonté pour relever les défis qui s'imposent à la scolarisation des filles au Tchad. C'est dans cette dynamique que le CONAF Tchad a institué en août 2018 la bourse d'excellence en faveur des filles orphelines et démunies à travers son instrument de levée de fonds, la Nuit africaine.
Pendant cette soirée, des institutions publiques et privées, des universités et instituts et des personnes ressources ont octroyé des bourses pour l'année 2019-2020. La présidente du comité d'organisation a souhaité la bienvenue avant de relever qu'il est inconscient de voir de nos jours des nombreuses filles ne viennent pas à l'école. La nuit africaine, instituée et organisée dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme africaine JIFA, offre pour le CONAF une opportunité et un espace privilégié de plaidoyer et de mobilisation des ressources permettant de financer la scolarisation de meilleures filles orphelines issues des familles démunies. Pour la présente édition, nous espérons, avec votre appui constant et indéfectible, consolider les acquis et en octroyer davantage en incluant les filles vivant dans les autres provinces du pays, car les attentes à ce niveau sont immenses. La soirée a été agrémentée par des artistes tchadiens. C'est un moment riche en couleurs avec ces artistes nationaux qui ont donné un cachet particulier à cette nuit africaine édition 2019. À travers ces différentes chansons, les acteurs et actrices du développement pour le combat des femmes et des enfants ont tenu en haleine le public. Ce lever de fonds adapté et contraignant qui permettra de corriger rapidement les défaillances du passé et offrir à la scolarisation des filles une image rayonnante, digne d'un pays qui fait de la question des filles son cheval de bataille. Ce prix spécial dénommé championne de l'autonomisation des femmes, décerné à la première dame Inda Debi Itno, confirme cela. Après avoir remis ce prix, la présidente du CONAF Tchad a relevé qu'il faut soutenir l'éducation des filles. On devait être d'accord avec Cornel, qui vit la politique dans le site, aux hommes bien-nés, la valeur n'a pas encore été. Vous n'avez pas à entendre encore. C'est mon âme. C'est là qui fait 15 ans. Visiblement, les rôles sont clairement définis lors de cette nuit africaine édition 2019 et les moyens mis en place. Chacun doit jouer sa partition pour une victoire commune. En plus des moyens financiers et matériels déployés par le gouvernement et ses partenaires pour gagner le prix, le CONAF Tchad invite les responsables des établissements scolaires à offrir directement des places dans leurs établissements aux bailleurs de fonds à financer les orphelines et démunis dans leurs études et ceux qui, pour des raisons de visibilité, à s'engager pleinement avec CONAF Tchad. La nuit africaine a vu la participation de plusieurs personnalités, des membres du gouvernement, des diplomates et de nombreux invités. La soirée a été agrémentée par des artistes tchadiens. Les convives ont dansé jusqu'à 0h. La nuit africaine, pour tous les invités, a été un succès éclatant dans son organisation. Dans son discours, la première dame Inda Debi Itno salue cette initiative. Elle informe que des bourses seront décernées aux meilleurs élèves, notamment aux filles. Suivez. Je voudrais avant tout pour vous remercier chaleureusement pour votre présence massive ce soir à cette soirée nuit africaine dédiée à la mobilisation des ressources pour soutenir la scolarisation des filles et développer la culture de l'excellence chez les femmes. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers partenaires, vous avez répondu présent depuis l'année dernière pour soutenir une des causes qui font l'unanimité de par la noblesse de leurs objectifs et l'impact qu'elles peuvent produire, à savoir l'éducation. Dans notre pays, le Tchad, beaucoup a été fait pour promouvoir la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. Cependant, les défis sont encore énormes et ce n'est qu'en mutualisant nos efforts et nos moyens que nous pouvons
lever les obstacles, nous devons œuvrer non seulement pour que les filles accèdent à l'éducation, mais aussi et surtout qu'elles restent scolarisées, acquièrent des connaissances et puissent affronter la vie grâce à leur instruction. Mesdames et messieurs, s'agissant des bourses qui nous préoccupent aujourd'hui, il est important de souligner qu'il s'agit bien de bourses d'excellence qui impliquent une obligation de résultat. Donc, ces bourses ne constituent pas un acquis, mais feront l'objet d'une évaluation périodique. Nous insistons sur la culture de l'excellence. Le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mahamat Taye Orosi, a bouclé sa mission dans la partie subsaharienne du pays par la visite de l'aéroport de Sar dans le Moyen Chari. À son arrivée, le chef du département de l'aviation civile et sa suite sont accueillis par le gouverneur de la province du Moyen Chari. Un reportage signé Marali Joséphine. À Sar, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, le maire de la ville, les forces de défense et de sécurité, les responsables administratifs se sont joints au premier magistrat de la province du Moyen-Chari, Abadi Zahir Fadoul, pour témoigner leur hospitalité à leur hôte. Peu avant de se rendre sur le terrain, une rencontre a eu lieu entre le chef du département de l'aviation civile et de la météorologie nationale, le général de corps d'armée, Mahamat Tahir Orosi, et le gouverneur Abadi Zahir Fadoul. Ils sont assistés des directeurs généraux et aussi bien du staff technique membre de la délégation ministérielle. La vision des plus hautes autorités et surtout leur engagement visant à développer le secteur du transport aérien est abordé par le ministre au cours de cette réunion. À l'aéroport de Sar, Mahamat Tahir Orosi visite l'équipement de navigation aérienne et de la météorologie de cet aéroport communautaire géré par les activités communautaires de la SECNA. L'aérogare, le bloc technique, la tour de contrôle, la station et le parc météorologique, la centrale électrique, la piste d'atterrissage et bien d'autres installations sont là des structures que le ministre a tenu à visiter. À chaque étape, le ministre cherche à comprendre d'une manière détaillée le fonctionnement des appareils techniques, des préoccupations que les techniciens, chacun dans son domaine, a apporté des réponses appropriées. Au cours de cette visite, le ministre a insisté sur le bon fonctionnement des équipements météorologiques qui ont une importance non seulement pour le transport aérien, mais pour d'autres secteurs vitaux. L'un des aspects importants à relever au cours de cette sortie du ministre concerne le prolongement de l'aéroport de Sar en vue de renforcer la sécurité aérienne. À cet effet, il a demandé aux autorités locales de prendre attache avec les techniciens de son département pour concrétiser ce projet d'agrandissement de l'emprise aéroportière. Il invite les autorités administratives et communales à s'investir davantage en vue d'empêcher l'occupation anarchique du domaine aéroportière. Au terme de cette visite, le ministre tient une réunion avec l'ensemble du personnel de qui l'émergence de l'aéroport de Sar en dépend. Je le disais à l'entame de ce journal, nous recevons ce soir sur notre plateau le ministre de la Défense et de la Sécurité avec qui nous allons aborder plusieurs sujets touchant son département. Monsieur le ministre, bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce commentaire d'Amana Issat Azina sur les raisons ayant amené le gouvernement à demander à l'Assemblée nationale de proroger l'état d'urgence pour 4 mois. Suivez. Adopté pour la première fois le 19 août 2019 en Conseil extraordinaire des ministres, la question sur l'état d'urgence reste toujours d'actualité. La première phase, qui n'a que duré 21 jours exactement, a montré ses forces sur plusieurs points. Selon le propre terme du ministre en charge de la Défense nationale et de la Sécurité, le général des corps d'armée Mohamed Abali Salah, le conflit qui opposait les différentes communautés censées cohabiter s'est vu arrêté grâce à la promptitude et à la détermination des forces de l'ordre et de sécurité. La maîtrise des frontières par les hommes en treillis est une vérité qui ne demande plus d'explication. Autre résultat enregistré est la récupération des milliers d'armes de guerre détenues illégalement par les civils. Malgré cet exploit remarquable, le gouvernement n'est pas du tout satisfait, car selon les sources sécuritaires, plusieurs civils détiennent encore les armes de guerre, ce qui laisse entrevoir une réelle fragilité dans cette accalmie retrouvée. D'ailleurs, selon le rapport de l'ONU,
Environ 22 millions d'armes seraient entrées au Tchad à travers la frontière. Et c'est au regard de ces raisons valablement défendues que le gouvernement a déposé sur la table de la représentation nationale le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans la province du Wadaï, des Sila et du Tibesti. Ce mardi 10 septembre au Palais de la Démocratie, l'Assemblée nationale approuve par acclamation le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans ces trois provinces et ce pour une durée de 4 mois. Il est question pour le gouvernement tchadien de réinstaurer la sécurité dans ces provinces durant cette période. Une autre préoccupation pendant cette prorogation étant d'en finir définitivement avec l'épineuse question d'orpaillage illégal, source d'insécurité dans les zones aurifères que compte le Tchad. L'état d'urgence ainsi prorogé permettra sans nul doute au gouvernement de démanteler certains réseaux de trafic d'armes. Gouvernement, responsables politiques, leaders religieux, autorités traditionnelles, bref, toutes les sensibilités socio-professionnelles du pays doivent parler le même langage pour un retour définitif de la tranquillité. Même si le défi reste grand, les forces de défense et de sécurité ont prouvé leur capacité pendant la première phase de l'état d'urgence de ramener la paix et rien que la paix dans ces provinces concernées. Monsieur le ministre, votre département ministériel est au centre de la mise en œuvre des principes de l'état d'urgence. Après 3 semaines, quel bilan faites-vous? Merci. Avant de répondre à la question, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier en fait notre structure de la télé pour nous donner cette occasion de mettre en fait à la disposition de la population de nos activités. Peut-être avant de donner ou parler du bilan, il est important aussi de souligner qu'est-ce qui nous a poussé à aller en fait décréter cet état d'urgence. Et il faut aussi souligner que les activités des états d'urgence ne sont pas des activités nouvelles. C'est important de le souligner. L'état d'urgence ne donne pas aussi, nous donne pas à nous la possibilité de faire quelque chose qui n'est pas qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Mais il faut savoir que les deux derniers événements qui se sont surtout déroulés dans le niveau de l'Est, surtout les conflits intercommunautaires et les circulations des armes, nous avons pensé qu'il faut passer aux vitesses supérieures. Et ça, l'état d'urgence nous permettra de mobiliser un peu plus de nombre de personnes que prévu et mobiliser un peu plus de moyens. Mais l'état d'urgence, les 21 jours que nous avons travaillé a donné des résultats. Nous avons récupéré un nombre important des armes. Et je pense que c'est la clé, c'est le point essentiel. J'ai toujours souligné que si aujourd'hui nous comptons beaucoup de morts dans des conflits intercommunautaires, parce que la population utilise des armes de guerre. Et si la population utilisait des armes blanches, je pense que le nombre ne va pas être très important. Donc nous avons mis l'accent sur le désarmement. On est en train d'avancer. Nous sommes à peu près, depuis cet après-midi, à 500 et quelques armes récupérées. Ça seulement dans les deux provinces. Mais le désarmement aussi continue dans toute l'étendue du territoire. Il faut aussi le souligner. Donc, et nous avons aussi constaté lors de notre déplacement à l'Est, notre déplacement est l'objet de suivre nos activités de l'état d'urgence, on a constaté aussi qu'une accalmie est revenue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment des événements depuis que l'état d'urgence a été décrété. Et donc c'est ça à peu près le bilan mis en cours que nous avons présenté. Un bilan positif. Oui, et c'est pour cette raison que nous avons eu l'accord de nos parlementaires pour prolonger l'état d'urgence à 4 mois, parce que nous pensons qu'on est en train d'avoir des résultats. Et justement, dans le cadre toujours de l'état d'urgence, certaines frontières ont été fermées et des véhicules sans plaque interdits de circulation. Les consignes qui sont prises, qui sont prises dans des localités qui n'en ont pas l'habitude, pourront-elles être respectées? Moi, je pense que ce qui est important, c'est pas les consignes doivent être respectées. Est-ce que les mesures sont des bonnes mesures? Moi, je pense que c'est ça qu'on faut qu'on la clé des réponses. Parce que si ce que nous faisons est avantageux pour notre pays, pour la population et pour l'intérêt de notre sécurité, il n'y a pas raison où ça ne doit pas s'appliquer. Ça doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, vous avez fait le cas en fait des véhicules, par exemple
non identifiés, ça veut dire les véhicules qui n'ont pas de plaque, et vous avez aussi cité des provinces, par exemple, qui n'ont pas l'habitude, je suis tout à fait d'accord, mais il faut que ces désordres doivent s'arrêter un jour, et nous pensons que le moment est arrivé, et cette règle que nous demandons, que les véhicules soient matriculés, ça contribue aussi à la sécurité de la population. Aujourd'hui, nous constatons, depuis que les problèmes au nord ou bien à l'est des pays, au Soudan ou la Libye, ont des difficultés, nous constatons des gaves, des braquages. Mais quand la population nous informe, à nous, nos forces de sécurité, nous disent qu'un véhicule blanc qui nous a arraché de biens. Mais si ces véhicules étaient immatriculés, c'est plus précis. Donc nous pensons que ce que nous allons en train de faire, il faut voir, et c'est normal, dans un pays, il y aura un moment où nous allons se mettre en ordre. Et nous pensons qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans les pays, dans nos pays, les pays frontaliers, il est normal que nous nous réveillons et que nous mettons tout en ordre, surtout les réglementations de nos véhicules, les frontières. Je suis tout à fait d'accord, vous avez cité la fermeture des frontières. En fait, en réalité, justement, on a... Justement, il y a même en dehors de nos frontières, des couloirs sont fermés. Oui, je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas dire qu'on a fermé des frontières. Effectivement, nous avons fermé certains couloirs. Je donne des exemples, par exemple. Nous avons des frontières avec la Libye, le Soudan et la RCA. Nous avons de couloirs très bien connus où nous avons nos forces de défense, où tous les véhicules passent, tous les marchandises passent normalement. Mais ces frontières, vous savez, nous sommes en face du désert, comme la Libye ou bien vers le Soudan. D'autres passent inaperçu. Et c'est pour cette raison que nous avons laissé des corridors, en fait, la Libye, le Soudan et la RCA, nous avons laissé des corridors où les marchandises, les personnes en règle doivent passer. Mais toute personne doit passer par ces corridors pour empêcher des gens, des infiltrés, en fait, des armes ou des choses que nous interdisons. Donc, et puis nous avons laissé ces corridors, justement, c'est parce que nous constatons qu'avec les frontières que nous avons avec ces pays, contribuent sur l'économie de notre pays. Et sur la vie aussi de la population, aujourd'hui vers le nord ou vers l'est, je pense que ces pays, malgré qu'ils ont des problèmes, mais la population vive de ces pays-là, sur le plan de l'alimentation, sur le plan du bien-vivre. Donc nous pensons que le gouvernement a bien pris note de ces préoccupations sociales. Certains partis politiques et associations des droits de l'homme ont dénoncé quelques dérapages dans cette période d'exception. Par exemple, les militaires en font qu'à leur tête et les policiers arnaquent la population. Qu'en dites-vous? Bon, je suis tout à fait d'accord que des propos de ces genres ont été tenus même quand nous sommes partis à l'Assemblée pour défendre en fait la prolongation. Ces préoccupations ont été aussi prises par les députés, les intervenants. Nous sommes tout à fait d'accord que nous avons pris note. Mais en réalité, jusqu'à ce jour, on n'a pas de plaintes, c'est-à-dire vraiment bien identifiées, des gaffes qui ont été signalées, que ce soit dans les provinces concernées ou bien ailleurs. Mais néanmoins, lors de nos déplacements dans les provinces, et surtout les rencontres que nous avons eues avec nos forces de défense et de sécurité, nous avons mis l'accent sur ces points, pour dire que, écoutez, l'état d'urgence ne vous donne pas l'autorisation de faire ce que vous n'êtes pas l'habitude de faire, ou bien de faire des choses que vous n'êtes pas formé pour le faire. Donc jusque-là, aucune plainte n'est remontée jusqu'à vous? Je ne crois pas. Mais beaucoup de associations ou de forces s'inquiètent. Et c'est normal quand le mouvement des militaires, tout ça, mais nous sommes très vigilants. Et nous avons attiré l'attention du gouverneur, de tous les responsables que nous avons rencontrés pour dire, écoutez, et pour même les administrateurs, par exemple, on a dit, il ne faut pas que vous preniez l'état d'urgence pour accentuer en fait d'autres actions qui ne sont pas prévues dans notre agenda. Ok, l'état d'urgence a été prolongé, nous le savons, par l'Assemblée nationale. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que cela se passe comme il se doit? Oui, d'ailleurs, je disais tout à l'heure que quand nous pensons que les 21 jours que nous avons travaillé nous ont déjà donné des signaux positifs. C'est-à-dire qu'il y a une accalmie totale et nous sommes en train de récupérer des armes. Il faut aussi tenir compte que nous sommes dans une saison pluvieuse, surtout à l'est, le mouvement de nos forces, nos mouvements ne sont pas très faciles. Donc nous pensons que nous trouvons des résultats. Et c'était ça l'objectif que nous avons pensé quand l'Assemblée, nous avons demandé la prolongation. Et toutes les dispositions sont prises, qu'au niveau de l'est ou bien au nord, que nous allons mettre en marche toutes les mesures sécuritaires pour qu'au moins, nous, une fois de plus, que nous arrivons à contrôler
nos frontières et mettre de l'ordre entre nos populations et pour que la population vive en harmonie. Abordons à présent le deuxième volet de votre présence sur ce plateau. Dans ce reportage que vous allez suivre, notre reporter Amana Issa Kazina nous parle de la réforme de la police nationale. Suivez. Il a fait de la réforme au sein de la police nationale son cheval de bataille lorsqu'il était ministre de l'administration du territoire et de la sécurité publique. Et depuis que la sécurité a intégré le département de la défense nationale, la question revient instantanément. À chaque visite ou autre sortie, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah met toujours l'accent sur la nécessité de réformer cette machine sécuritaire sans laquelle la quiétude de la population sera menacée. D'abord, l'action phare qui avait en son temps marqué l'opinion nationale et internationale était la création de la force mixte interne mobile composée en grande partie des éléments de la police basée à Our qui a pour but la sécurisation de la frontière Tchad-Libye. Secondo, les visites inopinées dans les différents commissariats d'où il avait relevé certains manquements qu'il fallait corriger. Ce samedi 30 août 2019, à l'occasion de la cérémonie d'installation du nouveau directeur général de la police nationale, le ministre Mohamed Abbali Salah dévoile son projet de réforme conformément aux orientations du chef de l'État à l'issue du Forum national inclusif. Parmi les réformes, l'on note plusieurs innovations, notamment la création du groupement opérationnel de la police des frontières, la réorganisation de la brigade de circulation routière et des commissariats de police. Pour le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, désormais la police nationale doit avoir son propre garage pour mieux inspecter l'état de tous les véhicules afin de les amener à acquérir de réelles fiches techniques. Il serait aussi aberrant, selon le ministre, que les entreprises privées délivrent les plaques d'immatriculation. Dans les jours à venir, cette tâche devait revenir à la police nationale. Autre réforme, et non des moindres, est la création de nouveaux postes parmi lesquels la direction de l'ordre public et de la circulation, la sous-direction de l'informatique et des traces technologiques et bien évidemment la sous-direction de la communication et de l'information. Tous ces remue-ménages visent un seul but, rendre plus visibles et plus efficaces les actions de la police nationale qui ne fait qu'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Monsieur le ministre, dernièrement, lors de l'installation du nouveau directeur général de la police nationale, vous avez évoqué la réforme de la police. Où en est-on aujourd'hui? Comment entendez-vous faire cette réforme? Oui, il faut noter que les réformes des institutions de l'État, c'est des recommandations de notre lord du forum, c'est-à-dire qui a fait naître la 4e République. Et il faut aussi noter que nous constatons certainement des manquements au sein de notre police nationale. Donc, c'est tout à fait normal quand vous installez un nouveau responsable à une direction, il faut que vous évoquez les insuffisances constatées dans le service. Et nous avons certainement parlé, et nous avons dit que la police doit être plus proche de la population. Et il faut que la population qui soit heureuse s'il est à côté de la police. C'est-à-dire qu'il faut que la police soit la protection de la population. Nous avons beaucoup insisté et il faut aussi que le vice-versa, la population doit respecter aussi la police. Il faut qu'ils sachent que la police est là pour leur bien. Il se pose également, monsieur le ministre, un réel problème de réglementation de la circulation avec des stationnements anarchiques de taxis et autres gros porteurs, et cela au vu et au su des agents des forces de l'ordre. Comment entendez-vous également régler ce problème? Oui, lors de mon intervention, j'ai fait ressortir aussi ces manquements au niveau de la circulation routière. Et c'est pour cette raison que nous avons réformé ce service. Et vous savez que la vie d'une ville, l'image d'une ville, c'est la circulation. Ça, je pense que comme vous l'avez souligné, et nous constatons effectivement qu'un grand manquement, surtout la plupart de nos véhicules ne sont pas en règle, et ils ne sont pas bien garés. Et tout ça, c'est ce service-là. Et c'est pour cette raison que nous avons vraiment renforcé ce service. On avait décentralisé le fournisseur, c'est-à-dire chaque arrondissement doit s'occuper. Il y avait un service chargé de ce
pour le stationnement. Oui, nous avons ce qu'on appelle les brigades de circulation routière. Et maintenant, nous avons décentralisé que chaque arrondissement doit s'occuper de sa circulation. Et surtout, le point important, nous avons scindé les polices qui seront chargées de régulariser la circulation et les polices qui ont le droit de demander les pièces des véhicules. Avant, c'est le même service qui fait le deux. Et nous pensons qu'il s'intéresse beaucoup à l'arrêt du véhicule, demander des pièces que la réglementation de circulation. Et il faut noter aussi que nous, lors de notre dernière réunion de sécurité, que nous le faisons chaque jour dans la semaine, que les feux tricolores qui sont sur les ronds-points, c'est eux qui doivent contribuer normalement à la régularisation. Nous avons constaté sur les 23 que nous avons, il y a deux seulement qui marchent. Nous avons attiré l'attention de la mairie et je pense que les choses sont en train d'entrer en ordre. Et nous pensons surtout d'ici 2020 que nous allons mettre un accent et surtout sur les fiches techniques des véhicules. Madame, je vais vous dire que la fiche technique, c'est quoi? Ça dit c'est une fiche qui donne l'état du véhicule. Et malheureusement, aujourd'hui, tu peux avoir la fiche technique sans qu'on voit le véhicule. C'est très dangereux parce que c'est le fiche technique qui doit voir le véhicule, est-ce qu'il a un bon frein, est-ce que le véhicule ne contribue pas à l'environnement, c'est-à-dire le fumier, le freinage et tout ça. Donc nous avons maintenant mis au niveau de l'accent à la police que nous avons déjà à peu près 7 garages bien équipés, modernisés pour que tous les véhicules d'ici 2020 vont passer par ce service pour qu'ils doivent avoir ce qu'on appelle le fiche technique normal. Parlons également, Monsieur le ministre, un autre problème qui perdure, c'est les difficultés de la délivrance des cartes nationales d'identité et du passeport. On se souvient que dans le passé récent, vous avez fait une descente pour un contrôle, mais le problème persiste. Y a-t-il des agents qui ne respectent pas vos décisions? Non, madame, je pense que les choses ont évolué à mes constats à moi. C'est vrai, quand nous avons effectué cette visite inopinée, nous avons constaté un manquement au niveau de ce service, surtout que les gens payent les cartes, ils ne les trouvent pas à temps. Et parfois, ils payent, c'est-à-dire, ce n'est pas réglementé. Toi, tu payes aujourd'hui, tu ne trouves pas votre carte en 2-3-4 jours, mais quelqu'un d'autre, s'il paye un peu plus, il doit avoir son carte le plus. Donc, nous avons changé ce système. Nous avons d'ailleurs une structure que nous voulons créer, l'Agence nationale de titres sécurisés, qui doit être normalement censée de nous produire des cartes biométriques et qui, présentement, on est prêt, ça doit lancer dans la semaine, mais au moment où j'ai effectué cette visite, j'ai arrêté ce processus, surtout ces commissions qui contrôlent les cartes. Et nous avons constaté aussi plusieurs commissions et tout ça, c'était inutile. Donc aujourd'hui, depuis que nous avons mis l'ordre, nous avons aussi sur le plan des recettes, on a une recette incroyable. En deux semaines, nous avons fait une recette à peu près d'un milliard au niveau de ce service. Ah oui? Oui. Et puis, toutes les personnes qui ont fait demande de cartes, oui. Moi, je les contrôle personnellement. C'est seulement ceux qui ont payé en avant, jusqu'à là, certains ont payé les cartes, comme ça a duré, ils ont repayé encore, oui. Ils ont déjà pris leurs cartes. Donc, nous sommes en train de gérer ces situations du passé. Mais aujourd'hui, vous payez aujourd'hui. Au plus tard, 24 heures après, vous avez votre carte. Si demain, je me rends au niveau de la police nationale. Avec plaisir, madame. On voit également, monsieur le ministre, que les policiers postés régulièrement dans les ronds-points et différents carrefours, mais ceux-ci interviennent rarement en cas de vol ou agression qui surviennent non loin de là où ils sont. Qu'est-ce qui les en empêche? Madame, je pense que j'ai un peu briefé sur cette question, surtout sur la réglementation de circulation routière. Je disais tout à l'heure qu'avant, nous avons des services au niveau de ronds-points, oui, qui font les deux travaux à la fois. Les fouilles, moi je parle plus des fouilles qui se passent souvent le soir, des fouilles d'armes blanches, d'armes à feu. Oui, ça c'est carrément autre chose, madame. Nous avons ce qu'on appelle une commission mixte, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, la gendarmerie, que nous faisons des fouilles inopinées dans le cadre de désarmement. Oui. Madame, je vous rassure qu'à part l'état d'urgence, il faut savoir aussi que ces forces de défense font un travail. Il n'y a pas une semaine où nous récupérons à peu près 20-30 des armes à feu, pas seulement des armes blanches. Donc je pense que nous saluons en fait ce travail que la police est en train de le faire. Au niveau de rond-point, je disais tout à l'heure que nous avons maintenant changé les dons. Ceux qui seront censés dérégulariser les circulations des véhicules vont faire leur travail. Et les services qui seront
censés à contrôler les véhicules, les pièces, seront d'autres services avec une autre uniforme. Ok, notre entretien tire à sa fin, monsieur le ministre. Avez-vous un message à faire passer à nos téléspectateurs? Oui, madame, je pense que nous avons parlé des réformes. Les réformes que nous voulons les faire, ou bien le travail que la police nationale fait, il faut noter que c'est un travail pour la population. Nous sommes là pour la population, pour leur bien et pour leur sécurité. Sans leur contribution, nous ne pouvons pas réussir cette mission. Et je pense que, j'ai toujours dit ça, après le forum, nous avons beaucoup parlé de la patrie. Je pense que la patrie n'est pas seulement verbale. Dans ce projet de patrie, il faut que chacun amène sa contribution. Et franchement, moi, en tant que ministre en charge de la sécurité, je pense que nous mettons beaucoup sur l'État. Or, plus de 60% de faits doivent venir de la population. Aujourd'hui, je donne un exemple. Quelqu'un qui a un véhicule, un policier t'arrête pour vous dire qu'écoutez, vous avez une infraction que vous devez payer 4 000 pour l'État. Et si vous enlevez 2 000 ou bien 1 000 francs courants pour cette policier pour passer, je pense que vous n'avez pas fait votre devoir. Vous ne pouvez plus parler de la patrie. C'est valable pour d'autres actions. Aujourd'hui, mais quelquefois, même les 4 000 que les usagers paient n'ont aucun reçu. Donc, on ne sait pas si ça rentre vraiment dans les caisses de l'État. Madame, je pense que je disais la même chose. Si quand vous payez, vous prenez votre reçu, vous savez que ça entre. Ouais. Mais quand vous ne voulez pas prendre le reçu qui est à 4 000 et vous voulez donner 1 000 francs aux policiers, c'est que vous avez contribué à la corruption. C'est ça. Et c'est valable, madame, je veux dire aussi pour d'autres actions que nous sommes en train d'entreprendre. Aujourd'hui, si vous avez un véhicule que vous payez à 5 millions, 4 millions, si on vous demande de payer 200 000, 100 000 pour les réglementer vos papiers, si vous ne voulez pas le faire, je pense que vous ne contribuez pas à la patrie. Et si aujourd'hui un policier t'arrête et vous ne voulez pas arrêter, et si vous narguez le policier ou bien vous traversez, je pense que vous avez fait aussi une infraction à la patrie. Moi, tout ce que j'ai comme message, nous sommes vraiment investis au niveau de la police pour qu'en 2020, nous voulons surtout réglementer la circulation et surtout au niveau de la ville de N'Djamena, je demande la contribution de la population. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci madame, c'est à moi de vous remercier parce que vous m'avez donné l'occasion de dire tout ce que j'ai fait au niveau de mon département. Ok, pour rappel, nous venons de recevoir sur ce plateau le ministre de la Défense nationale et de la Sécurité, Mahamat Abalisala, qui s'est entretenu avec nous sur les réformes de la police nationale ainsi que sur l'état d'urgence. Tout autre chose, à présent, rentrée administrative 2019-2020, c'est le 15 septembre. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique a fait une déclaration. Il appelle les enseignants, notamment les administrateurs, à reprendre avec les activités. Suivez. L'année qui commence est placée sous le signe du renforcement des apprentissages et promotion de l'éducation civique. Ces thèmes visent à mobiliser tous les acteurs du système autour de l'école afin de restaurer l'école tchadienne dans son rôle de promoteur de valeurs citoyennes, de la cohésion sociale et de développement des apprentissages, notamment en sciences, pour un Tchad émergent à l'horizon 2030. Le gouvernement du Tchad, sous l'éclairage de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, s'est engagé en faveur de l'amélioration de la qualité du système éducatif à travers le recrutement pour la contractualisation de 3 000 professeurs de sciences, mathématiques, physique, chimie, SVT, pendant une période de 2 ans en vue de booster l'enseignement des sciences. D'ores et déjà, 1436 professeurs sont sélectionnés et bénéficient d'une formation rapide à partir du 17 septembre 2019 avant d'être redéployés sur le terrain. La formation de 4500 maîtres communautaires en cours dans les ENI pour une période de 2 ans se poursuivra cette année avec le recrutement de 4500 autres. L'application du bilinguisme intégral en commençant par les classes du CP1, 6e, 2e, et cela conformément au texte en vigueur. Le bilinguisme
sera renforcée dans sa mise en œuvre avec la mise en place des différents textes d'application de la loi 16, mais déjà 30 cadres du ministère viennent de voir leur capacité renforcée en arabe et en français. Enquête menée au niveau des établissements privés dans la ville de N'Djamena et qui s'étendra dans les autres provinces à partir de l'année prochaine. Des contrôles réguliers seront effectués tout en cherchant à réglementer leurs organisations et leur fonctionnement. J'invite donc le promoteur des établissements privés à se conformer au texte de la République. Pour une gouvernance rapprochée, j'appelle les associations de parents d'élèves et les comités de gestion à plus de cohésion dans la gestion des établissements scolaires. Les ressources générées par les établissements publics doivent être gérées de façon transparente et rigoureuse, et cela dans le seul intérêt de l'élève tchadien. Le parti MUR, Mouvement pour l'Unité, le Renouveau, a organisé hier dans la sous-préfecture de Kundul une journée de réflexion sur les causes et la résolution des conflits intercommunautaires au Tchad. Dame Guéline Joël pour les détails. La problématique de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés du Tchad préoccupe le Mouvement pour l'Unité et le Renouveau, MUR. Raison pour laquelle cette formation politique initie cette journée de réflexion sur les causes et les résolutions des conflits qui gangrènent la société tchadienne. Outre les militants et les sympathisants du parti MUR, les personnes ressources, les acteurs de la société civile et les universitaires sont conviés à ces assises. Nous les Tchadiens, un peuple uni, soudé, et inséparables de par l'histoire. Nous sommes convaincus que la première cause de ce conflit est l'ignorance. Dans ce combat, le peuple en général, et en particulier les partis politiques, la société civile, les religieux, ainsi que les corps enseignants, on a un grand rôle à jouer. De l'avis des différents intervenants, la perpétration des conflits est due à l'implication du politique, la dévalorisation des acquis socio-culturels, au manque de civisme, de dialogue et surtout à l'incompétence de certains dépositaires des pouvoirs publics au niveau des structures d'État. Pour résoudre ces conflits, les journées de réflexion sollicitent l'implication active de tous les acteurs de la société tchadienne. Tout de même, ils formulent des recommandations à l'endroit du gouvernement. D'intensifier les campagnes de sensibilisation en faveur de la paix, la consolidation de la paix, la concorde nationale. Renforcer le programme d'enseignement par l'éducation civique en lui attribuant un bon coefficient. Renforcer le rôle des autorités traditionnelles dans le mécanisme de prévention, de gestion et de résolution des conflits. Réhabiliter la médiature nationale. Émerveillé par la qualité des idées découlant de ces assises, le président du parti MUR, Saleh Bourma Ali, promet perpétuer ces échanges qui ont pour visée la restauration de la cohésion sociale. Point de presse du coordonnateur de la société civile pour la consolidation des acquis démocratiques et la cohabitation pacifique, Amat Kabaro Abdrahman, a salué les efforts du président de la République, Idriss Déby Itno, à l'endroit de la jeunesse et appelé la population à la cohabitation pacifique. Un extrait de ses propos. La de la société civile pour la consolidation des acquis démocratiques et la cohabitation pacifique a appris avec joie l'acte de chef de l'État intégrant 473 médecins qui seront bientôt affectés dans l'ensemble des provinces du pays. En posant cet acte, et malgré la conjoncture économique difficile que traverse le pays, le gouvernement, sous la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, a répondu aux besoins de la population axée sur la santé publique tchadienne. À cet effet, la coordination de la société civile pour la consolidation des acquis démocratiques et la cohabitation pacifique rend un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, de son implication personnelle dans le secteur de la santé publique. À cela s'ajoute également la promesse de 20 000
autres recrutements promis par le président de la République dans tous les secteurs confondus. Fort de cette concrétisation réelle et réalisable, la coordination de la société civile pour la consolidation des acquis démocratiques et la cohabitation pacifique apporte de tout son soutien au président de la République et l'encourage à œuvrer davantage pour la question de la jeunesse tchadienne. S'agissant de la prorogation de l'état d'urgence décrété dans le Wadaï, le Sila et le Tibesti, nous nous réjouissons de cet acte solitaire qui contribue au renforcement de la sécurité, la paix et le vivre ensemble entre les différentes communautés de Provence en conflit. Du 11 au 13 septembre dernier à Yaoundé au Cameroun, il s'est tenu une rencontre entre les directeurs généraux des douanes de la CEMAC. La partie tchadienne est représentée par une délégation tchadienne conduite par le directeur général des douanes et des droits indirects, Ousmane Adam Diki. Les travaux se sont déroulés en présence du représentant du président de la commission de la CEMAC. Les précisions avec Falan Bissoulgan. Plus d'une décennie sans concertation, les directeurs généraux des administrations de douane de la CEMAC décident enfin de relancer les activités de leurs rendez-vous annuels. Une décision qui s'impose face au contexte de l'heure où l'intégration sous-régionale est d'actualité. À Yaoundé, les responsables des douanes de la sous-région CEMAC ont unanimement fait avancer le levier et veulent garder le pied sur l'accélérateur de leur machine commune, la CEMAC. Dans les différentes interventions, la tendance est favorable à l'intégration qui constitue une priorité de chaque délégation. Globalement, et au-delà de la sécurité transfrontalière, l'objectif fixé repose sur l'échange des données, la facilitation des échanges, le renforcement des capacités, l'interfaçage des systèmes d'information douanière, la fluidité du transit et la lutte contre les trafics illicites. Pour le directeur général des douanes et droits indirects du Tchad, le colonel Ousmane Adam Diki, cette rencontre vient renforcer la volonté du Tchad à moderniser le secteur douanier. Pendant les trois journées de travaux, la rencontre a procédé aux examens minutieux des mots qui freinent l'évolution et le développement de la sous-région en matière d'échanges économiques. Les responsables des douanes ont saisi l'opportunité pour débattre des questions liées à la coopération économique dans l'espace CEMAC. La préoccupation globale est d'accélérer l'ensemble des processus et cela pour renforcer la compétitivité et éviter la marginalisation des États membres de la communauté CEMAC en se situant dans le contexte de la globalisation. Les directeurs généraux des douanes de la CEMAC s'engagent à asseoir des convergences communautaires, régionales et internationales, notamment en phase avec les recommandations de l'Organisation mondiale des douanes. Dans leur communiqué final, ces derniers ont remercié les autorités camerounaises pour avoir abrité leur rencontre annuelle. Bangui, la capitale centrafricaine, est désignée pour organiser la prochaine réunion. Dans la province du Chari-Baguirmi, la Fondation Grand Cœur offre des matériels aux membres des organisations féminines du département de Doubali. La cérémonie de remise de ces matériels est présidée par le gouverneur de cette province, Aboubakar Djibril Aboubakar. Des précisions avec Mahamat Souleymane. La Fondation Grand Cœur, de concert avec l'association La Plume pour la culture et le développement, poursuit l'opération des 100 villages Fopamou lancée dans la province du Chari-Baguirmi. Ce projet consiste à doter 100 villages des moulins à mil, des forages et des panneaux solaires. Cette fois-ci, ces matériels ont été offerts au groupement féminin et masculin du département de Doubali. Le groupement masculin a bénéficié des matériels de forage et des panneaux solaires et ceux des femmes des moulins à mil. Ce geste salutaire de la Fondation Grand Cœur a réjoui les cadres ressortissants de la province du Chari-Baguirmi, en l'occurrence l'enseignant-chercheur à l'Université Roi Faisal de Niamena, Dr Abdelkhadir Haroun Adam. Dans la même lancée, le président de l'association La Plume pour la culture et le développement, Ahmad Souleymane Bremé, a apprécié à sa juste valeur l'appui multiforme de la Fondation Grand Cœur. Pour lui, c'est donc cadre avec la vision de développement 2030, le Tchad que nous voulons, prônée par les plus hautes autorités du pays. Au nom de la population du département de Doubali, le préfet Djibril Souleymane Nourène a exprimé sa gratitude à la présidente de la Fondation Grand Cœur Hinda Debi Itno. Le chef de mission de la Fondation Grand Cœur Kodou Choukou a salué l'implication des autorités du Chari-Baguirmi aux actions de la Fondation Grand Cœur. Selon lui, c'est donc réduit un tant soit peu la souffrance de la population du dit département. De son côté, le gouverneur de la province de Chari-Baguirmi, Aboubakar Djibril Aboubakar, a loué la volonté affichée par la première dame Hinda Debi Itno dans le cadre de l'autonomisation des femmes tchadiennes en général et celle du Chari-Baguirmi en particulier. Il a attiré l'attention des bénéficiaires sur la bonne gestion des matériels offerts par la Fondation Grand Cœur pour que tout le monde doit en bénéficier. Cette opération des 100 villages Fopamou se poursuivra dans d'autres villages de la dite province.
Les lauréats au baccalauréat 2019 de la province du Bata sont à l'honneur. Ils ont été primés par le gouverneur de la province du Bata, Aliou Adouma Abdoulaye. On fait le point avec Mama Tahir de Bouenalour. C'est une première dans la province du Bata. Ils sont au nombre des 12 meilleurs bacheliers à être primés. Une initiative du gouverneur Aliou Adouma Abdoulaye, appuyée par des élites de cette province et des chefs de services déconcentrés de l'État. 4 motos et des ordinateurs et dictionnaires ont été octroyés aux 4 meilleurs de toutes les séries. Tandis que les autres lauréats ont eu des ordinateurs portables et des dictionnaires. Cette ambiance festive a été marquée par les mots du comité d'organisation, des témoignages des parents et des responsables d'établissements scolaires, ainsi que par des hommages et remises des attestations aux dirigeants d'établissements scolaires et aux responsables des organisations partenaires du système éducatif, notamment la Fondation Grand Cœur, le Proqueb, un ancien préfet, des sous-préfets et des personnes ressources. L'occasion pour les représentants du délégué de l'enseignement et à la jeunesse du Bata de saluer le succès des candidats bacheliers du Bata avec un taux de réussite de 51% qui est très satisfaisant. En plus de ces prix, le gouverneur Aliou Adouma Abdoulaye annonce aux bacheliers que des bourses d'études leur seront octroyées. La province du Bata occupe le second rang au bac 2019 sur le plan national avec 356 admis sur 690 candidats inscrits, soit un taux de réussite de 51,46%. La cérémonie a été marquée aussi par la présentation d'une pièce de théâtre sur l'importance de l'éducation, en plus d'une belle animation musicale qui a mis en effervescence l'assistance. Une mission du ministère de la Santé publique conduite par Dr Adomita s'est rendue à Mao. Dans le Kanem, la mission est allée évaluer les indicateurs sanitaires de cette délégation provinciale de la santé. La réunion d'évaluation s'est déroulée en présence du gouverneur du Kanem, Amat Mahamat Waro. L'objectif de cette mission est d'appuyer les différentes structures sanitaires qui se trouvent dans la province du Kanem en moyens techniques, surtout dans le cadre de la vaccination, et voir aussi les situations de prise en charge des populations nomades. Le chef de mission, Dr Adam Moussa Ita, fait savoir à l'assistance que cette supervision est formative d'une part et elle consiste à évaluer les efforts du ministère de la Santé publique en médicaments et en gestion des ressources humaines d'autre part. Selon lui, la mission a constaté quelques insuffisances dans les districts et les centres de santé visités. Il s'agit notamment de faible coordination des activités vaccinales des nomades, des manques de moyens logistiques dans les centres de santé pour la vaccination en stratégie avancée et la faible capacité de stockage des vaccins dans les structures sanitaires. Dr Adam Moussa Ita constate également que le taux d'abandon est très élevé dans certaines formations sanitaires et les données de la couverture vaccinale des nomades ne sont pas disponibles dans certains centres. Pour le délégué de la santé publique du Kanem, Dr Guarawatye, les constats faits par la mission de la supervision sont des réalités du terrain, car les districts sanitaires ont des difficultés par rapport au fonctionnement des chaînes de froid. Mais il rassure que la délégation fera de son mieux pour améliorer cette situation. Le gouverneur du Kanem, Hassan Terab, a apprécié les activités de la supervision ayant pour but d'améliorer les indicateurs de la santé. Hassan Terab d'ajouter que le problème de la santé est une affaire de tous. C'est pourquoi il demande l'implication de toutes les couches sociales afin d'atteindre les résultats escomptés. État d'urgence dans le Sila, le gouverneur de cette province, Kedala Younous Hamidi, a tenu une rencontre avec tous les chefs traditionnels de sa circonscription administrative. Leur implication pour le désarmement des civils était au centre de cette réunion. Ben Arabi Abdelrazak. Les garants des us et coutumes, dont le statut est valorisé avec la 4e République, devraient jouer un rôle prépondérant dans le rétablissement de l'ordre. Pour ce faire, leur implication, collaboration active dans les opérations de désarmement et regroupement des motocyclettes est sollicitée. Les sensibilisations de proximité devraient être tenues afin d'amener la population à rendre délibérément les armes. Mais avant cette échéance, autorités traditionnelles et administratives devraient voir dans la même direction, ordonne le gouverneur Kedela Younous Hamidi. Sur place, le président de la République, par rapport au désarmement, vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Vous avez un concours à porter. Vous devez vous impliquer pour que chaque chef de canton, avant que les forces viennent, ne désarme, ne prenne les armes
et vient déposer à l'administration. Mais comprenez bien le fait que le président de la République vous demande, l'administration vous demande votre implication, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas qu'on manque de moyens. Mais le gouvernement, le président, tout simplement vous demander de ramasser les armes et de déposer à l'administration avant que ça ne soit trop tard. On vous a réitéré le message. Vous avez dit que vous allez faire le nécessaire. Depuis lors, il y a bientôt 3 semaines, nous n'avons enregistré aucune arme. Résultat zéro. Aucun chef de canton n'a apporté aucune arme. Alors la question que l'on se pose, il n'y a pas des armes dans le SILA? Il n'y a pas des armes? Brandissant l'arrêté, le nommant coordonnateur du comité de sécurité chargé de suivi des activités de l'état d'urgence, le général Mohamed Souleymane, par ailleurs commandant de la zone de défense militaire numéro 2, affiche son objectif, récupérer toutes les armes détenues par des civils. Les chefs traditionnels se montrent coopératifs. Ceux qui détiennent des armes les ont déclarés. Ils s'engagent également à appuyer les forces déployées pour le retrait total des armes. Toujours dans le SILA, le HCR, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a organisé un atelier de formation sur le genre. Le séminaire est présidé par le secrétaire général de la province de SILA en présence des partenaires techniques et financiers. Retrouvons une fois de plus Ben Arabi Abdelrazak. Déplacement intense, mouvement perpétuel des personnes, considérations culturelles, les facteurs favorisant les violences basées sur le genre sont multiples. Au rythme actuel des choses, tous les pays sont touchés, soutient le sous-bureau de Gosbeïda. Le fléau interpelle tout le monde et principalement l'État tchadien qui, à travers des lois et autres instruments, s'attelle à son éradication. Devant cette situation, la recherche des solutions et des mesures préventives s'impose, ce qui justifie aux yeux du HCR la tenue du présent atelier. Un cadre qui permet aux acteurs impliqués de connaître les procédures opérationnelles standards, le fondement juridique et théorique du fléau, les réponses à apporter aux victimes, mais aussi et surtout les actions à mener selon le mandat de chaque acteur. Pour la circonstance, Nantenin Kondé, chef du sous-bureau HCR de Gosbeïda, a salué les efforts fournis par le gouvernement dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Dans son adresse, le secrétaire général de la province, Oumarou Sanda Makaché III, a rappelé que la politique du chef de l'État prend en compte les questions liées au genre. Il rassure de la disponibilité des autorités locales de continuer à appuyer les humanitaires. Un autre atelier de formation, celui des groupements villageois et des fériques de la sous-préfecture du Douba rural sur la cohabitation pacifique, s'est tenu hier dans le canton Mango. Le point avec Alain Diguim Emmanuel. Axé sur 2 thèmes, à savoir la cohabitation pacifique pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale et sur l'organisation et le fonctionnement des associations paysannes, ce premier atelier de formation des femmes paysannes vise à faire des femmes des actrices de la cohabitation pacifique dans la sous-préfecture de Douba rural. Pendant un peu plus de 5 heures du temps, les femmes villageoises et celles venues des fériques ont débattu sur leurs propres problèmes. Comment éviter les petits pièges quotidiens qui font obstacle à la cohabitation pacifique? Que disent les religions, à savoir l'islam et le christianisme, sur le vivre ensemble? Comment ces femmes devront être au socle des résolutions de l'épineux problème de conflit éleveurs-agriculteurs? Ces femmes des groupements féminins ont été conduites dans les débats par d'éminents orateurs, à savoir Abdoulaye Hassan Assouar, théologien de son état, Benjamin Weidou, chef de secteur de l'Agence nationale de développement rural, ANADER, Solange Madi, animatrice à la délégation de l'action sociale, et enfin Mahamad Tahir Montolngar, religieux de son état, qui ont tous invité les femmes à être des vraies promotrices de la cohésion sociale dans leurs villages et fériques pour le futur de leurs enfants. Après la lecture d'une motion de remerciement adressée plus particulièrement au sous-préfet de Douba rural, Rapmon Koulibouy, pour cette initiative, une lettre de recommandation de la part des femmes des groupements féminins villageois est clôturant cet atelier de formation des groupements féminins sur la cohabitation pacifique pour la consolidation de la paix
et la cohésion sociale et sur l'organisation et le fonctionnement des associations féminines dans sa sous-préfecture, le sous-préfet de Doba Rural, Rakhmon Kolibouy, souligne que la cohabitation pacifique ne pourrait être réelle que si les femmes rurales s'y impliquent en masse. Cependant, cette cohésion sociale ne pourrait passer que par l'instruction des femmes et des filles. À la fin de ces assises, les différentes participantes ont souhaité reprendre ces formations dans leurs féricks et villages respectifs pour que la cohabitation pacifique dans la sous-préfecture de Doba Rural soit une réalité. Juste après ces assises, le sous-préfet de Doba Rural, accompagné des femmes de ces différents groupements féminins, ont mis en terre des plans dans la suite de la Semaine nationale de l'arbre. Et puis la teneur de ce communiqué officiel, il est porté à la connaissance de mesdames et messieurs les députés que la séance plénière du lundi 16 septembre 2019 relative à l'examen du projet de loi portant ratification de l'accord pour l'encouragement et la protection de l'investissement conclu entre la République du Tchad et le Fonds de l'OPEP pour le développement international signé le 17 avril 2015 est reporté à une date ultérieure. Fernjamena, le 15 septembre 2019, ce communiqué signé du secrétaire général, Dr Beyom Malo Adrien. Et cet autre communiqué de presse, le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad condamne avec fermeté l'attaque perpétrée ce samedi 14 septembre 2019 contre deux installations pétrolières de la compagnie saoudienne Aramco située à l'est de ce pays. La République du Tchad exprime sa vive préoccupation devant ces attaques répétitives aux conséquences graves contre le Royaume d'Arabie saoudite et qui traduisent la volonté manifeste délibérée des Houthis de régionaliser la crise yéménite. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad réitère sa solidarité avec le Royaume d'Arabie saoudite et souligne la nécessité de trouver rapidement une solution définitive. Il appelle à la communauté internationale à adopter une position très claire et ferme contre la milice Houthi et ses soutiens régionaux. N'Djamena, le 15 septembre 2019, signé du porte-parole du ministère, Béchira Issa Hamidi. Le projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique via l'ONG GIZ a tenu à Bangor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est, une rencontre avec les membres des conseils cantonaux et départementaux de cette circonscription administrative. Il s'agit à travers ce conclave de mettre en place un réseau entre les acteurs locaux, cantonaux et départementaux. Marie Ladjé. Cette création d'un réseau entre acteurs locaux, cantonaux et départementaux à Bangor par le projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad par le biais de l'ONG, la GIZ, consiste à améliorer la communication, l'identification et la mobilisation des ressources des plans d'action de développement. Une initiative qui devra à terme contribuer au développement durable de la province du Mayo-Kébi-Est. Occasion pour le maire de la ville de Bangor, Djibetsou Mitassou, de présenter ses gratitudes aux partenaires techniques et financiers pour la tenue de cette rencontre de grande envergure dans sa localité. Le chef d'antenne du projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique de Bangor pour objectif de contribuer au processus de développement de la ville de Bangor. Le directeur du cabinet du gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, Welba Djaou Kamla, au nom du gouverneur, se réjouit de cette initiative qui, selon lui, cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités du pays. Décidant aujourd'hui de vous mettre en réseau pour avoir plus de force pour la réalisation de projets inscrits dans vos plans respectifs, vous participez au développement non seulement harmonieux et durable de vos cantons et partant de toute la province du Mayo-Kébi-Est, voire sur l'ensemble de notre pays. Les autorités que nous sommes ne ménageront aucun effort pour accompagner dans vos nobles missions. Soyez donc en rassurés de notre soutien et de notre apport. Nous serons toujours de vos côtés.
Le projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad œuvre pour l'amélioration de la condition socio-économique des populations, l'accès aux infrastructures et des services sociaux de base, la promotion du dialogue intercommunautaire, de la paix et la prévention des risques liés aux catastrophes naturelles. À l'initiative du gouverneur de la province du Salamat, Wedding Assi Assoui, l'association des femmes d'Amtimana a organisé une séance de sensibilisation sur la vaccination de routine et la consultation prénatale. C'était vendredi dernier. Mahamat Abdelbanat. L'association des femmes d'Amtimana Al-Nassour intervient dans le domaine de la sensibilisation grâce à un appui de l'UNICEF. Plusieurs séances de sensibilisation ont été organisées par l'association depuis le début de l'année en cours dans la zone d'intervention. La trésorière de l'association, Marioma Abdelaziz, a fait savoir que la zone de responsabilité des Amtsinene compte 23 villages avec une population de 18 055 habitants. Les enfants vaccinés représentent seulement 798 enfants. Marioma Abdeliz ajoute que le taux d'abandon est de 36,41%. Après l'intervention de la trésorière sur la vaccination des routines, son adjointe Mariam Aliou a axé son intervention sur la consultation prénatale où elle appelle les femmes enceintes à fréquenter en masse les services sanitaires. La séance de sensibilisation a pris fin par des sketchs présentés par des artistes locaux dont les thèmes sont relatifs à ceux développés par les intervenantes de l'association. Deux magistrats de la province du Bahr El Ghazal ont prêté serment la semaine dernière, une cérémonie qui s'est déroulée en présence du secrétaire général de la dite province, Ali Youssouf Kella, représentant le gouverneur Amat Ali Daladou. Deux nouveaux magistrats, dont un procureur de la République et un juge d'instruction auprès du tribunal de grande instance de Moussouro, ont été installés dans leurs fonctions par le président du dit tribunal. C'est en présence du secrétaire général de la province du Bahr El Ghazal, Ali Youssouf Kella, représentant le gouverneur et plusieurs autres autorités locales. Au cours d'une audience solennelle, le greffier en chef, Abba Ali, a donné lecture du décret numéro 1123 du 31 juillet 2019, portant nomination de ces magistrats. Il s'agit de M. Adil Manna Bachar, procureur de la République, et Inabé Baouye Moyo Mathias, juge d'instruction du tribunal. Le procureur sortant, Seydou Azina, dans sa réquisition, après avoir cité l'ordonnance numéro 07 du 21 février 2012, portant statut de la magistrature, a prodigué des sages conseils aux récipiendaires afin de bien mener leur activité tout en respectant la loi. Pour terminer, le président du tribunal de grande instance de Moussouro, Asra Honoré Sandor, a renvoyé les magistrats. Et puis la caravane a dénommé Ma fille va à l'école continue de faire son bonhomme de chemin. Hier, les communes du 7e et du 10e arrondissement ont été sensibilisées par les membres de l'association La Voix de la Femme sur l'importance d'envoyer les filles à l'école. Idrissa Oumar Idriss. À l'approche de la rentrée scolaire, l'association La Voix de la Femme intensifie son action au profit des filles. La rencontre avec les responsables des communes, les délégués des quartiers et carrés se perpétue dans les arrondissements. Et les membres de cette association expliquent les libraires de cette caravane « Ma fille va à l'école ». Nous participons énormément au développement de notre pays. Nous participons à l'émancipation et à l'autonomisation de la femme. Et nous venons maintenant vers vous pour que vous accompagniez cette campagne pour orienter les filles afin de leur permettre d'avoir un cursus scolaire. Le 7e arrondissement abrite plus des établissements scolaires dans la ville de N'Djamena. Le maire de cette commune promet de faire large diffusion pour que les filles soient plus nombreuses dans des salles de classe. La fille a la même potentialité, les mêmes capacités intellectuelles que le garçon. Et si nous parents, nous la laissons aussi longtemps à l'école, elle est capable de faire beaucoup de choses. Après avoir échangé avec les responsables dans le 7e arrondissement, les membres de l'association La Voix de la Femme sont allés au 10e arrondissement. Ici, les représentants des associations de la société civile, les députés de l'arrondissement et d'autres personnes de ressources sont tous présents pour écouter le message fort sur la scolarisation des filles.
Selon la présidente de cette association, Amina Tidjani, la fille a d'abord sa place à l'école. Elle invite les parents à investir pour la fille afin qu'elle sauve la nation. Une idée épousée par le premier magistrat de la commune, Tom Nwere. Une femme doit éduquer sa fille et de l'inscrire à l'école pour se faire alphabétiser, cherchant à contribuer à la formation des filles déscolarisées et non scolarisées pour s'enquérir des connaissances appropriées permettant à leur prise en charge. La caravane « Ma fille va à l'école » envisage dans l'avenir d'investir les provinces pour une large sensibilisation. Six clubs d'anglais de la ville de N'Djamena sont en compétition depuis hier pour le titre de meilleur club d'anglais de la capitale. Une initiative de l'Association of English Club Language. Les détails avec Kalia Gavutna. The word yummy is Y-U-N-N-Y yummy. Spell S-I G-N-A-L-S. Cette expression en langue anglaise, ce jeune lycéen de la ville de N'Djamena la doivent à l'Association of English Club Initiative. Déterminée à rehausser le niveau des jeunes en langue anglaise, cette association a encadré les lycéens pendant des mois pour leur permettre d'apprendre l'anglais. Constitués en club, ils rivalisent d'adresse leur talent pour le titre de meilleur club anglais de la ville de N'Djamena. Les élèves se sont rendus compte qu'ils apprennent vite l'anglais que le français parce que beaucoup des enseignants se sont francophones se sont désintéressés à les aider. Donc ils cherchaient un moyen pour pouvoir s'exprimer et ils se sont rendus compte que l'anglais est tellement facile. Les organisateurs entendent à travers cette compétition inciter les jeunes à apprendre toutes les langues. Cette compétition qu'on a eu à faire, c'est qu'on a donné des documents aux élèves d'aller apprendre, d'aller se former. Comme ça, en se formant, il n'y a pas seulement apprendre le mot, mais le mot restera avec eux toute leur vie. Donc, si nous voulons vraiment combattre la baisse de niveau, on doit chercher plus ou moins à donner des exercices à ces enfants. Prennent part à cette compétition les clubs d'anglais des quartiers Abinan, Boutal Bagara, Djari, Amtoukouin, Champ des Fils et Ulysse Félix Siboui. C'est un constat, les ordures ménagères sont de plus en plus présentes dans quelques marchés de la capitale. Notre reporter Ahmad Garasta s'est rendu au Grand Marché, au Marché Amil et au Marché de Dembé. Son constat. À l'entrée du marché central de N'Djamena, des détritus jonchent la chaussée. À côté, les vendeuses de légumes et bien d'autres denrées alimentaires. Des odeurs nauséabondes qui accueillent les usagers. Les gens de la maison qui ramassent les déchets pour venir mettre devant nous comme ça, c'est pas bien. Le fait qu'on finisse notre marché, on rentre à la maison, même on a des problèmes déjà. Mais si je reste comme ça, là, parce que le lieu que je me débrouille avec mes enfants, il n'y en a pas. On a donné 2000 pour qu'ils ramassent pour déposer. Ils disent que 2000, ils ne prennent pas. Ils veulent absolument 3000. Sinon, les mairies, ils travaillent normalement. Hier, là, ils ont ramassé beaucoup de ordures là, ici, afin que leur N'Djamena Nedif, là, ils ont ramassé. Tous les jours, là, on nous crée toujours des problèmes. Il faut qu'on prenne un peu le contrôle sur là où on a l'habitude de faire le marché. Il y a des fois même qui passent souvent, qui ne viennent même pas nous acheter les choses. Les consommateurs trouvent inadmissible qu'un marché de la capitale soit insalubre à ce point. Mais j'ai vu les saletés. Est-ce que les mairies sont là pour ramasser les saletés ou moi, je ne sais pas. Mais quel travail ils font au marché, moi, je ne sais pas. Au marché de Dembé, tout comme celui à Mille, le constat est désolant. Le chef de l'équipe de la propriété du marché à Mille soutient que la mairie s'investit pour rendre propre ces lieux publics. Nous faisons nos efforts à chaque fois. Mais concernant le commerçant, la mairie ne peut pas couvrir tout le marché. Tu viens, tu ramasses ici et puis tu, encore à ton retour, tu trouves une autre ordure à côté. L'insalubrité dans les marchés n'est pas sans conséquence sur la santé humaine. Par conséquent, les acteurs impliqués dans la gestion de ces lieux publics doivent travailler en synergie pour rendre propre et praticable par les usagers.
Volley sport à présent, le président de la Ligue de football de N'Djamena, Abakar Abdelkerim Adra, a été installé ce matin dans les locaux du siège de la Ligue des membres de la commission électorale et celle de la commission recours. Ces institutions ont pour mission d'organiser l'Assemblée générale élective du 29 septembre prochain. Diano Dinestor. La commune du 6e arrondissement est l'une des communes de la capitale qui regorge des talents en herbe dans le domaine du football. L'on y retrouve toutes les catégories, notamment les minimes, les juniors, les cadets et les seniors. C'est pour mettre en exergue ces talents que le président de la Ligue de football de N'Djamena installe officiellement le bureau de la sous-ligue de la dite commune. Un bureau composé de 20 membres avec à sa tête Seydou Oumarou Mana. Il aura pour mission d'organiser les tournois interquartiers et d'organiser des formations des jeunes arbitres. Le président de la Ligue de football de N'Djamena rassure les membres que sa contribution sera sans relâche afin de leur permettre d'atteindre les objectifs. Depuis des années, je me suis lancé un défi, celui d'aider mon arrondissement, capitale de football de N'Djamena. Je mettrai à leur disposition ma richesse, expérience, pour l'encadrer et l'accompagner. Le maire premier adjoint de la commune du 6e arrondissement, Abakar Kamis, tout en se félicitant de l'amour que les jeunes de sa commune ont pour le football, appelle la nouvelle équipe à l'unisson pour gagner le pari. Le président de la sous-ligue de la commune du 6e arrondissement, Seydou Oumarou Mana, a pour sa part remercié les responsables en charge du sport pour cette confiance. Il promet qu'ensemble avec son équipe, ils rehausseront le niveau des jeunes de la commune en multipliant des tournois de football. Sachez également que le Tchad a déjà obtenu une qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. Cette première qualification est l'œuvre de Madaï Ismaël, un archer tchadien innocent qui l'a dressé son portrait. C'est aux récents Jeux africains de Rabat au Maroc que Madaï Israël se fait découvrir. L'archer tchadien a arraché 2 médailles de bronze avant d'être le seul athlète qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo de 2020. Je suis vraiment content. Je remercie aussi l'Égypte parce que ni n'était l'Égypte. La chance était que l'Égypte devait gagner pour que je puisse passer. Au moins, pour cette fois-ci, on a au moins combien 5 bronzes déjà ? En plus, la qualif, je pense qu'on a fait ce qu'on voulait. Ces deux sacres obtenus aux Jeux africains de Rabat au Maroc le classent parmi les 3 meilleurs archers du continent. Un très bon résultat obtenu grâce au travail et à la persévérance. À Walia, dans le 9e arrondissement où il habite, Madaï Israël avait de la peine à faire comprendre à ses parents pourquoi il a choisi le tir à l'arc comme sport. Nous, on avait l'inquiétude, mais après quoi, après son... L'évolution, et puis nous on a apprécié ça et on a demandé, mais c'est l'espoir, il faut tenir le coup, il faut faire l'espoir chaque jour, et c'est ça, ça peut nous vraiment satisfaire. Pour se rendre au lycée Félix Eboué où il s'entraîne chaque jour avec les autres archers, le double médaillé en bronze des Jeux africains de Rabat se déplace à l'aide de sa moto. Sur le terrain des entraînements, un endroit aménagé au lycée Félix Eboué, Madaï Israël reçoit les appréciations de son entraîneur. Israël Madaï, c'est un garçon brave, c'est un garçon motivé, c'est un garçon qui se donne pour le travail. Il est en train de progresser, voilà, dans plusieurs compétitions internationales, Israël a ramené assez de médailles au pays. Qualifié aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2020, l'archer tchadien doit se préparer pour affronter ce grand défi. Nous sommes devant une situation où il faut certainement mettre le bouchon double pour le préparer. Donc il faut bien qu'on mette sur pied un plan qui pourra certainement nous permettre, n'est-ce pas, de le suivre dès maintenant jusqu'à ce que cela puisse aboutir. À la Fédération tchadienne de tir à l'arc, l'on se réjouit d'abord de la qualification de Madaï Israël. C'est une fierté pour cette jeune discipline qui est le tir à l'arc, qui est en train de s'imposer dans notre pays sur 54 sportifs tchadiens qui sont allés pour représenter le pays, notre pays, le Tchad, dans ces Jeux africains. Et un seul archer a pu décrocher
son ticket pour les Jeux Olympiques. Conscient des difficultés matérielles que rencontrent les archers nationaux, le président de la Fédération tchadienne de tir à l'arc sollicite le soutien de l'État. Nous faisons partie de ces fédérations-là où nous dépendons à 100% de l'État tchadien, des subventions de l'ONAGES. Donc ensemble, c'est avec ceux-là, avec le ministère de tutelle, le ministère de sport, avec ceux-là ensemble, nous pouvons nous asseoir pour établir un programme, un planning de préparation pour Israël. Le renouvellement des équipements des archers nationaux est un sérieux problème. Mais il faut également ajouter le manque d'espace pour les entraînements. Car celui du lycée Félix Eboué ne permet pas aux archers de bien s'exprimer. Il est même envahi par des herbes. Et puis cette information, bref, en image, tout puissant Elexport a joué aujourd'hui contre l'Espérance sportive de Tunis, tenant titre de la Ligue de la Confédération africaine de football. Un match qui s'est achevé par un but partout. Les espérantistes qui ont été soumis à de rudes épreuves par les électriciens ouvrent la marque après 63 minutes de jeu. 6 minutes plus tard, les Tchadiens égalisent grâce à Bakit Djibril. Les Tchadiens qui ont bénéficié d'un pénalty à 6 minutes de la fin ne parviennent malheureusement pas à gagner ce match. Un reportage que vous suivrez dans nos prochaines éditions. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre fidélité et très bonne suite de programmes sur Télé-Tchad.